Qui est le plus célèbre chef cuisinier de Lyon? Bon, Paul Bocuse. Mais non, c'est moi en première. Mais arrête. Ah vous, c'est moi. Demande la VAR. Demande la VAR. Non, non, non. La VAR. La VAR. On demande la VAR. Mais je demande on la demande VAR. On demande la VAR. Mais je non. Demande la VAR. On demande. Si t'es sûr de toi, tu vas gagner. Bah, mais vas-y, vas-y. On demande la VAR. On va demander à la régie de nous mettre la VAR. Qui est la plus lyonnaise parmi les joueuses de l'OL féminin? Beaucoup, vous me direz. Ouais, mais il y en a une qui va forcément se détacher. Alors, on a décidé de faire un quiz. Sur la première demi-finale, c'est Delphine Cascarino qui a battu Alissa Palvievic. Du coup, c'est Delphine Cascarino qui sera en finale, la Sampriote. Mais contre qui? Et justement, la deuxième demi-finale, c'est maintenant. Et je vais les laisser se présenter directement. À ma magerie. Les minguettes. Qui face à Amel? Salma Bacha, 169-005, et je vais l'éteindre. Gerland contre les Minguettes. Qui pour jouer contre Saint-Priest en finale? Oh là là. Bon, vous êtes prêtes? Vas-y. Attends, attends, je suis concentrée. Ouais, ouais, je pense que... Non, je sais pas si je dirais que t'es concentrée. Donnez-moi les deux aéroports de ça Lyon. Ça t'explique le gros. Merci. Ah, là, par là, chinois. Là, vas-y, oh, Selma. Mais attends, elle n'avait pas l'aéroport. Si, c'est Saint-Exupéry, bro. Là, elle okay. est allée trop vite. Vas-y. Elle est allée trop vite. Il va falloir que tu montes le curseur. Moi, je voulais dire aéroport. Ah, là, refait, refait une phrase. Attention, question buzzer. Parce que là, vous le connaissez tous les deux. Ça va aller vite. Quel est le nom du quartier dans lequel a grandi... Bron. Bon, c'est pas un quartier. Bron-Thérayon. Yes. Yes. C'était Benzema. Et c'était Karim Benzema. Ouais, j'ai pas eu le temps de finir la question. Ouais, c'était Karim Benzema. Bron-Thérayon. Bron-Thérayon, un partout. Là, on est chaud, là, on est chaud. Buzzer. Donnez-moi la date depuis laquelle la section féminine s'appelle OL féminin. 1958. Non, mais 1988. Non, j'aimerais bien t'aider, mais là, t'es trop loin. Depuis quand c'est OL féminin? Depuis que ce n'est plus le FC Lyon et que c'est l'OL. 2003. 2007. 2000, Allez, encore une. Encore une tentative. 2006. Non. Dernière pour toi, Amel. T'étais pas loin. Non. 2001. Non plus. 2004. Non, ah, franchement, j'allais arrêter, mais elle me mais donne non, la bonne donné, réponse. J'ai donné la bonne réponse. Non. Non, non, non. Allez, j'allais deux, arrêter, mais je peux pas arrêter alors qu'elle me donne la bonne réponse. Ça fait 2-1. Donnez-moi le nom des 4 tribunes à l'époque où l'OL jouait du stade de Gerland. Nord, sud, est, ouest. Non, mais donne-moi le nom des tribunes. Virage nord, virage sud. Attends, non, t'as passé ton tour, t'as passé ton tour. Vas-y, Amel. Virage nord, virage sud, tribune... Est. Non, attends, ça, c'est maintenant. Jean Boin, Jean Jaurès. Ah ouais, mais c'est Amel. Mais non, mais moi, c'est Amel. Oh là là, j'étais dans le stade non, de Groupama. Il a fallu ramer un peu quand même. Mais c'est bon, ça fait 2 partout entre les Minguettes et Lyon 7. Donnez-moi le nom d'un musée à Lyon. Musée de Confluence. Magnifique. Là, attends. C'est propre. Non, mais là, c'est propre, c'est net, c'est rapide, c'est efficace, il n'y a rien à dire, ça fait 3-2. T'es à 2-2 en même temps, tu me rappelles où est-ce que c'est au musée Confluence, dans quel arrondissement? Tu m'as dit quoi, le Lyon 7? Ouais, voilà. Ouais, c'est logique. Gerland, 69-007. Bah non, parce mais qu'en pas fait, en baguette ici. En plus, c'est le deuxième, parce que c'est de l'autre côté du Rhône. Ah, donc c'est pas le. Mais ça compte quand même, allez, c'est bon, ça compte quand même. Ça compte quand même. Dans ton énergie. Là, question buzzer. En tout, il y a 16 communes qui sont limitrophes de Lyon, qui sont collées à Lyon. Je veux que vous m'en donniez 4. Mais par contre, t'as le droit à une erreur, hein, sinon ça change. Vas-y. Alors. Vénissieux. Vénissieux, ça marche. Ça fait 1. Saint-Priest. Saint-Priest, ça marche pas. Si t'as une autre erreur, Saint-Priest, c'est pas collé à Lyon. Tu passes pas de Saint-Priest à Lyon. Attends. Ah, j'ai entendu un ouais derrière Delphine, tu vois. Donc là, il faut que tu m'en donnes 3 bonnes et t'as pas le droit à l'erreur, sinon c'est à Selma. Selma réfléchit pendant ce temps. Donc, Vénissieux, c'est bon. Vaux. Vaux, ça marche pas. T'as perdu. Attends. Vaux, ça marche pas. Vas-y. Mais même moi, je sais pas. Hein. Vas-y, Vénissieux. Vénissieux, c'est bon. Même Fézin. Fézin, c'est pas bon. Fézin, c'est après Vénissieux encore. Pense à autour, moi. Après. Ah non, non, mais non, arrête, non, non, elle a fait une erreur. Non, toi, t'en as fait deux. Vénissieux.
En gros, de Lyon à la Commune. Juste après, ouais. Quand tu sors de Lyon tout de suite, t'as quoi? Il y en a 16 en tout. Faut que tu m'en donnes 4. Bah, Pierre Bénite. Voilà, Pierre Bénite, ça marche, ça fait 2. À côté de Pierre B, il y a quoi? Non, mais arrête de l'aider, vas-y. Mais autant. Réfléchis, qu'est-ce qu'il y a à côté de Pierre B? Oh, laisse-moi, j'ai le temps, vas-y. J'ai buzzé, tranquille, j'ai le temps de réfléchir. C'est-à-dire, comment vas-y, ça va? Vas-y, vas-y, Aubervilliers, non. Je vais te les donner, tu vas me dire, ah ouais, ah non, ouais. Mais après, ah non, ouais. Mais attends, après, moi, Saint-Fond, je peux reprendre la main. Saint-Fond, ça marche. Yes! Saint-Fond, ça marche, mais il t'en manque un. Mais oui, il m'en manque un. Donc, t'as Saint-Fond, Pierre B. Dis rien, dis rien. Bénitieux. Allez, c'est maintenant, faut tout donner. Allez! Quand tu sors, dis rien, bon. Elle te regarde dans les yeux. Non, non, c'est pas ça, parce que j'en ai un. Bah, dis-le. Quand tu prends comme ça. Dis-le, elle, t'as pas le droit de t'aider. Tente-le. Les États? Non, ciao. Non, Paris-Lille. Non, c'est trop pas moi, je peux vraiment commencer. Allez, vas-y, Amel, c'est à toi. Oulin. Ouais. Ah, bah, voilà, c'est bon, ça que je pensais que t'allais trouver. Bah, c'est bon, dis toutes mes réponses. Allez, vas-y, vas-y. Allez, elle a dit Oulin, elle l'a pas dit. Oui, j'ai dit toutes mes réponses, celles que j'ai données. Bah, merci, Pierre Bénite. Bénite. Merci. Allez, 3 partout. Non, mais pourquoi j'ai 3 partout, c'est chaud là, parce que il reste 4 questions. On fera peut-être une question bonus au cas où. Quel est l'arrondissement le plus petit de Lyon? C'est lequel? C'était un buzz ou pas, ou non? Pas forcément, mais vas-y, maintenant que t'as buzzé, c'est toi qui as la parole. Le plus petit arrondissement de Lyon. Lyon 2. Non, c'est pas Lyon 2, mais pas loin. À toi, tu dirais que c'est lequel? Bah, pas loin, Lyon 3. Non plus. Lyon 1er. C'est Lyon 1er. Petite question buzzer. Qui est le plus célèbre chef cuisinier de Lyon? Bon, Paul Bocuse. Mais non, c'est moi en premier. Mais arrête. À vous, c'est moi. Demande la VAR. Demande la VAR. Non, non, la VAR. On demande la VAR. Mais je demande on la demande VAR. La VAR. Mais je demande la VAR. On demande. Si t'es sûr de toi, tu vas gagner. Bah, mais vas-y, vas-y. On demande la VAR. On va demander à la régie de nous mettre la VAR. Petite... Putain, je crois que c'est elle. Alors. Merci. Allez hop. Ah. C'est moi. En fait, tu savais que c'était elle. Ouais. T'as voulu demander la VAR en pensant qu'il n'y a pas la VAR. Oh, ouais, on est sur replay là. Bien sûr que t'as la VAR. Il y a tout. Vas-y, dis, je vous donne toutes merci, les réponses. Paul Bocuse. Mais... Oh, mais tu sais que c'est incroyable. T'es super nul et je te donne toutes les réponses. Oh, nul, laisse-moi répondre. Oh là là, c'est grave. Bon, 5-3. T'as pas perdu encore. Mais là, il faut que tu fasses 2 bon, sur 2, Selma. Il y a des tricheurs là, petit ro. Selma. Qui suis-je? Je suis une marionnette en bois. J'ai été créé à Lyon en 1808. Les gones. Non. C'est leur marionnette, là. Putain, je sais plus. Guignol. Ah oui. Guignol. Yes. Bien joué. Ouais, ouais, j'ai vu, c'est pas grave. 5-4. Guignol. Ouais. Bon, dernière question. Si jamais c'est Selma qui gagne, on fera une question bonus. Okay, sinon, c'est... T'as un charlat, je perds c'est, non, pas. C'est toi, Amel, qui sera en finale contre Delphine Cascarino. Attention. Ouais, non, ma petite. Buzzer. Quel est le nom de la rue qui relie la place Bellecour à l'hôtel de ville? République. Rue de la République. Amel oh, Majri. Oh là là là. Amel là Majri là en finale. Les Selma, maguettes. Selma. Selma les Bacha, maguettes. Reviens. Tu peux quand même la féliciter. Ouais. Tu peux merci. Quand même... Merci, Amel. Voilà. Les maguettes, allez, voilà, barbare. 6 pour les maguettes, 4 pour Lyon 7. Bah, en même temps. Bon, Amel, c'était quand même pas si évident cette demi-finale, mais tu t'es senti au-dessus ou pas? Ah, franchement, c'était dur, mais elle était pas trop au niveau, mais ça va. La finale opposera donc Amel Majri oh, contre Delphine Cascarino. La finale, tu la sens comment, Amel, contre Delphine? Franchement, Delphine, c'est une bonne adversaire. Ah, ça va être dur, Delphine. Bénitieux contre Saint-Priest, quand même. Ouais, on va bien représenter les magnets. Allez, on se retrouve pour la finale entre Delphine Cascarino et Amel Bajri.